Pierre-Yves Gauthier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je rappelle que vous êtes le fondateur et président du cabinet d'analyse financière Alpha Value. Dans un précédent entretien, Pierre-Yves, vous nous avez expliqué que selon vous, les marchés s'illusionnaient et n'avaient pas intégré que les profits seraient en berne pour longtemps. Mais en fait, vous allez même plus loin. D'après vous, la crise sanitaire actuelle met un terme à la période du tout pour l'actionnaire. Alors, si on résume cette période du tout pour l'actionnaire, eh bien, c'est, on peut le dire, ce sont les deux dernières décennies au cours desquelles la mondialisation a permis une pression sur les salaires, une maximisation des profits avec des chaînes d'approvisionnement mondialisées. On a vu ce que ça a donné avec la crise du Covid. Et puis également, ce qui a favorisé l'actionnaire, ce sont les largesses des banques centrales qui ont offert des facilités de financement aux entreprises et donc facilité, entre autres, les rachats d'actions et également le versement de dividendes, sans oublier la baisse de la fiscalité des entreprises qui, là encore, a favorisé les profits et donc le versement de dividendes aux actionnaires. Et pour vous, cette période plutôt bénie, il faut bien le reconnaître, pour les actionnaires, est révolue. Absolument, c'est le retour de Marx, la bonne et juste distribution de la valeur ajoutée. Donc, vous l'avez évoqué, les mécanismes sur deux décennies au moins ont favorisé l'actionnaire. Un autre mécanisme totalement imprévu, donc cette crise sanitaire, impose un nouveau jeu au gouvernement. Ces gouvernements ont arrêté l'économie, vont la relancer, donc décident d'un tempo, donc ont pris la main. Et ce faisant, ont d'autres urgences que la seule rémunération aux intérêts économiques des actionnaires, puisque ce ne sont pas les actionnaires qui votent, ce sont bel et bien plutôt les salariés. Et donc là, on est rentré dans un nouveau paradigme en termes de réattribution de la valeur ajoutée, à l'avantage, inutile de le dire, des salariés. Alors, est-ce que tout de même cette vision des choses n'est pas simpliste, pardonnez-moi, parce que si l'on prend l'un des premiers facteurs ayant fait de l'actionnaire un roi, je veux parler de la mondialisation. On dit qu'elle est remise en question, qu'elle est battue en brèche. OK, mais on sait bien que le processus de démondialisation sera très lent. Par conséquent, imaginez que le partage de la valeur ajoutée va se faire au profit des salariés immédiatement. Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire? Je ne pense pas, parce qu'on l'entend dans tous les pays. On voit bien que les salariés et les salariés ordinaires sont quand même l'élément essentiel dans la gestion d'une crise sanitaire planétaire. On redécouvre l'utilité des petits salaires, on redécouvre l'importance de sociétés structurées ne faisant pas uniquement leur profit autour de quelques stars, je dirais, d'un développement technologique, mais de sociétés structurées qui sont le nœud d'une société organisée et démocratique. Et du point de vue d'un gouvernement, il y a une forme de découverte sur cette réalité-là et la nécessité de préparer le potentiel d'accident de ce type-là, en ayant une autre forme d'organisation sociale. Donc, je crois qu'on peut probablement trancher sur le fait que, d'une façon ou d'une autre, les salariés, les gens ordinaires, vont retrouver du pouvoir d'achat. Et comme la capacité de création économique ne va pas changer du jour au lendemain, voire elle va être quand même plus faible, c'est nécessairement au détriment d'une des parties prenantes et donc des actionnaires. Est-ce que vous auriez tout de même un exemple assez concret pour illustrer cette mutation que vous observez ? Alors, il y a un secteur dans lequel les logiques de combat, littéralement, sur l'appropriation de la valeur ajoutée sont très, très nettes, c'est le transport aérien. Dans le cas du transport aérien, la crise sanitaire en Asie a commencé par la mise à pied des salariés. On pense notamment à Cathay Pacific. Quand on arrive sur une crise européenne, les salariés ne sont plus mis à pied. Ce sont les gouvernements qui interviennent en proposant des financements absolument indispensables pour la survie des compagnies aériennes. Quand on va vers le modèle américain des compagnies aériennes, on est aussi sur, paradoxalement, des modèles européens, c'est-à-dire que l'État américain soutient la compagnie aérienne pour défendre les salariés et en demandant, c'est le point important, aux actionnaires de ces compagnies aériennes d'abandonner leurs dividendes. Et face à cette observation sur trois géographies, on peut rappeler aussi une situation extrêmement intéressante qui est celle de EasyJet, dont l'actionnariat est formé d'un actionnaire fondateur à hauteur de 30%. Et ce même Sir Stelios dit très clairement « Je veux une contraction de l'entreprise EasyJet
parce que demain sera difficile et je ne veux pas abandonner les dividendes et je ne veux pas perdre le contrôle de la valeur ajoutée dans l'exercice, je dirais, dans le fonctionnement de cette société qui est la mienne. Donc, on voit dans ce secteur, au travers de ces multiples attitudes conflictuelles, bel et bien une discussion à un niveau presque, j'allais dire, global d'une répartition de la valeur ajoutée sur un secteur qui est excessivement important du point de vue du pouvoir politique, puisque c'est un secteur structurant, c'est un secteur d'infrastructure, important sur le plan du salarié engagé et important sur le plan de la perte de pouvoir des actionnaires dans cette affaire. Et même dans le cas d'EasyJet, finalement, où l'actionnaire principal cherche à rester maître chez lui, on constate que le capital va souffrir, puisque la contraction de la voilure pour l'entreprise veut dire moins de gains, in fine, pour les actionnaires. Absolument, c'est un point extrêmement intéressant. Pour rester au pouvoir, l'actionnaire propose de réduire la taille de l'entreprise en réduisant ses investissements. A-t-il raison ou tort ? Il n'y a que le futur qui le dira. Mais il montre bien que le lendemain, comme vous l'avez dit, sera un lendemain difficile. C'est-à-dire que l'EasyJet indépendant, sans soutien de l'État, sera un EasyJet à ramasser par rapport à l'EasyJet d'avant la crise sanitaire. Pierre-Yves, est-ce que le fait que l'État redevienne l'arbitre, finalement, puisqu'il décide ou non de la survie d'une entreprise ou d'un secteur, ne va pas modifier le comportement de certaines entreprises en les amenant tout simplement à sacrifier une part de rentabilité au profit d'une plus grande responsabilité collective? La motivation ne serait pas la philanthropie, hein, entendons-nous, ne soyons pas naïfs, mais la nécessité de complaire à l'État. Oh, c'est assez probable qu'effectivement, dans le fonctionnement futur des entreprises, on s'oriente vers une forme de partage avec les parties prenantes, les fameux stakeholders dans le vocabulaire anglo-saxon, qui sera radicalement différent de l'avant-crise. Il est évident qu'une entreprise ne peut pas ignorer le fait qu'elle n'a survécu que par le soutien de l'État, et c'est l'ensemble des entreprises cotées qui tombent à peu près dans cette case-là, et que ce soit parce que l'État est venu garantir des financements, que la même entreprise n'aurait pas eu, ou l'aurait eu à des termes financiers absolument exorbitants pour les actionnaires de toute façon, ou alors parce que l'État est intervenu directement en prise de contrôle partielle de l'entreprise, qui est aussi une indication d'un futur qui sera différent demain, puisque l'État actionnaire a évidemment un autre objectif que la seule maximisation des profits. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, au fond, Pierre-Yves, que tout ce qui arrive va conduire au triomphe ou à la résurrection du capitalisme rhénan, c'est-à-dire à un capitalisme de co-gestion? On peut effectivement se dire que d'une certaine façon, cette forme de capitalisme était la bonne, puisqu'elle permet de préparer des moments difficiles. On l'a vu dans les cas de très grandes entreprises allemandes qui ont connu de graves difficultés, je pense notamment à Volkswagen, il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Et on voit à quel point, effectivement, cette interaction par la discussion entre le capital et le travail permet de préparer le terrain. Et c'est probablement un bon modèle qui va inspirer encore un peu plus le monde capitaliste traditionnel, qu'on va qualifier, lui, d'anglo, et qui va devoir, effectivement, donner un peu de champ à la co-gestion, mais à la co-gestion, on va dire, moderne, qui sera une répartition de cette fameuse valeur ajoutée. C'est aussi une des leçons de cette crise que vous soulignez implicitement, Pierre-Yves. C'est qu'en sacrifiant tout à la rentabilité, on s'est bien souvent, au sein des entreprises, peu préparé à l'éventualité d'un choc, quel qu'il soit. Oui, parce que dans ce qu'est la forme de capital d'avant-crise, qui était en gros rémunération des actionnaires, y compris par une raréfaction du capital mis à disposition des entreprises au travers de mécanismes de paiement de gros dividendes et ou de rachat d'actions, aboutit à des sociétés qui sont structurellement faibles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de maximiser leur performance financière, mais au détriment de leur capacité d'absorption en cas de crise. Et c'est ce en quoi le capitalisme rhénan est assez intéressant, et d'ailleurs on devrait presque dire le capitalisme suisse, puisqu'on voit bien que même quand l'argent était facile, ces entreprises-là sont restées sur des modèles de surfinancement, des modèles de surfinancement par les actions, de surfinancement aussi au sens où leur bilan présente des positions de trésorerie nette positives. Et donc, dans l'ensemble, ces sociétés absorbent plutôt bien le choc de la crise sanitaire, là où les entreprises plus,
plus orientées vers une performance financière à court terme se sont trouvées prises à contre-pied. Et le secteur aérien dont on parlait tout à l'heure est le prototype de ces secteurs qui sont toujours été dans une logique d'extraction de la richesse, que ce soit par les actionnaires dans le cas américain ou par les salariés dans les cas européens. Est-ce que l'on n'assistera pas aussi dans ce nouveau paysage qui se dessine à un rééquilibrage du rapport de force entre actionnaires et créanciers, au détriment des actionnaires, encore une fois ? On est dans une crise de liquidité, donc la réponse est évidemment que celui qui amène la liquidité reprend le pouvoir, celui qui amène la liquidité, c'est le créancier. On voit assez mal pour l'instant le capital action revenir assurer la survie des entreprises, et on le voit par le fait que ces prêteurs en dernier ressort prêtent sur des termes de rémunération pour eux qui sont considérables, à deux titres, à la fois le fameux écart entre le taux sans risque et le taux de rémunération qu'ils demandent pour prêter de l'argent, et d'autre part sur les sécurités qu'ils prennent. On peut donner un exemple qui est celui de cette société de croisière qui s'appelle Carnival, qui est énorme. Il certes possède des bateaux, mais du jour au lendemain a dû mettre ses bateaux en garantie auprès des derniers prêteurs pour survivre dans la crise que connaît le secteur du tourisme et notamment des croisières. Donc c'est un exemple extrêmement clair du transfert du jour au lendemain de la propriété, littéralement, des actionnaires vers le prêteur. Pierre-Yves, si l'État redevient l'acteur central, est-ce qu'on n'a pas un risque? Et encore une fois, c'est un risque qu'il faut sans doute accepter puisque ça permet de sauver des emplois. Mais si l'emploi est la boussole, est-ce qu'on n'a pas un risque de voir l'État intervenir tous azimuts et d'une certaine manière détruire la concurrence, ce qui serait encore une fois dommageable pour l'actionnaire? Absolument, c'est un gros risque puisque l'État finalement est un acteur aux poches illimitées. Donc on va dire que c'est une forme de capital disponible illimité. Et avec une incapacité à sanctionner les managements déficients. Donc, on a ce gros risque d'avoir des entreprises qui auraient la faveur de l'État et qui changeraient complètement le jeu concurrentiel dans des secteurs où la concurrence s'impose comme étant la meilleure façon d'optimiser les performances pour tous les fameuses parties prenantes et encore une fois appelées stakeholders. Donc, c'est un risque certain, c'est un risque que l'on verra se mettre en place. Il faut probablement attendre un cycle complet d'activité pour le voir poindre, puisque chaque investisseur étatique, au moins au début, le fait avec beaucoup de bonnes intentions. Bon, si on résume tout ce que vous venez de nous dire, Pierre-Yves, pour vous, encore une fois, la période bénie que furent les dernières décennies pour les actionnaires est désormais achevée et s'ouvre désormais une ère beaucoup plus compliquée pour tous ceux qui comptent miser sur la bourse afin de doper leur épargne. C'est assez probable, puisque ça sera une combinaison d'une intervention étatique que l'on n'a pas vue finalement sur les 30 dernières années, donc avec une déformation de l'exigence de performance financière, et d'autre part, probablement, une réappropriation, une réallocation de la valeur ajoutée, plutôt au détriment d'une façon ou d'une autre de la rémunération des actionnaires. Donc le risque d'une moindre performance financière est probablement très très fort pour les exercices à venir. Pierre-Yves, merci, mais dans ce nouvel univers que vous nous avez esquissé, on aura en bourse, bien évidemment, des gagnants et des perdants, et je vous propose d'en discuter dans une prochaine émission. Pierre-Yves, à bientôt. À bientôt.